Salut YouTube, comment ça va YouTube? Ah, la dernière fois, sur ce Isaac Speedstreak, je le rappelle, qui consiste à enchaîner le plus de victoires possible avec Isaac en normal, et tout en allant le plus vite possible, on a vu tout à l'heure, lors de notre partie précédente, du stress, il y a eu du stress, hein, on a eu la preuve que vouloir aller trop vite, c'est pas toujours très très bon, et ça a failli nous coûter la victoire, heureusement. Le skill et la chance, on va pas se mentir, étaient quand même un peu de notre côté. Cette fois-ci, on est reparti, du coup, 10 wins en un petit peu moins de 4 heures. C'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, ça fait du quoi, encore du 22 minutes, entre guillemets. À peu près 22 minutes la run, c'est quand même pas dégueulasse. On arrive à aller vite sur quasiment toutes les runs, c'est cool. Allez, c'est parti pour la 11ème qui sera peut-être celle de trop. C'est pas grave. C'est parti. Let's go. Allez, le compteur a repris, on est là, on commence dans un Burning Basement, le pire, très bien. Ah oui, d'accord, yes. Trop bien. Trop bien, un bon début là. Ah par contre, on a un petit rocher marqué, ça fait plaisir. Tiens, on va tout détruire comme ça. Hop. Pas très sympa ça. Par contre, on a une batterie, ça c'est cool. Tant mieux. The Fool, ok. Ok, je reviens. On va d'abord faire le boss, quand même. Sait-on jamais. Quoique, en vrai, non, sait-on pas jamais, qu'est-ce que je raconte. Le deck of cards, je vais pas m'en servir. Le deck of cards, je vais pas pouvoir le reprendre derrière, donc non, c'est complètement con. Ouh. Désolé, je vous remets un peu de mes émotions de tout à l'heure. Quoi qu'en vrai, ça peut ouvrir une salle secrète. Et ça, je peux y accéder juste comme ça, donc let's go. Super. Heureusement que ça m'a pas coûté une clé. Hein. Toujours ça pris. Oh, ça valait peut-être le coup au final. Hein. Ça valait peut-être le coup. Hein. Eh oh. On rigole, mais. Quand même pas mal de pognon là-dedans. Ah, c'est parti. Le prendre, hein, mais... Tac. Bon, par contre, je pourrais pas reroll l'objet du boss, malheureusement. Peut pas tout avoir dans la vie. Ah, je peux peut-être tenter le magasin, vu que j'ai deux bombes. Oh, par contre, quel ennui. Ah, presque à ça d'utiliser une bombe contre le boss, mais... Lui, faut que je le tue le plus vite possible, parce que Larry Junior, c'est pas le plus dangereux, mais lui... couplé à Larry Junior, il peut vraiment me casser les couilles. Surtout cette partie-là avec les petits sbires en plus. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de Dalinari, là. Le plus grand cabaret du monde, ça existe encore, ça, ou pas? En vrai, je sais pas du tout, moi, si ça existe encore, je regarde plus la télé depuis tellement de millions d'années. Nice. J'hésite vraiment à aller au shop, étant donné que j'ai deux... Qu'est-ce qu'il y a dedans? J'hésite plus. Je m'ai fait y aller, hein. Comme quoi parfois. Très bien. Nice, on a l'argent pour un objet. On a très bien fait d'y aller. On a très bien fait d'y aller. Putain, lui il donne jamais de... Mais comment... C'est que en art qu'il donne des pièces. Attendez, il y a un boss là-bas. Ouais, sait-on jamais si... Alors, bon, je vous avoue si c'est Envy. J'utilise The Fool directement. Et on n'en parle plus. Voilà. Bon, on a l'info, hein. Mais bon, si ça avait été un truc sympa, ça aurait pu valoir le coup. Let's go. La boussole, ouais, j'ai bien fait d'aller au shop quand même. Hein. La boussole va nous faire gagner énormément de temps, hein. Vraiment. Bon, là, les gars, va falloir donner une clé. Hein. J'ai compris, vous me cassez les couilles, vous. Faut avancer les clés. Faut avancer les petites clés. Oh, ils m'ont poussé dans les mouches, quoi. Petite pétière. Quel jeu de con. Bonne clé, ça. Attention à pas se faire emprisonner là-dedans. Merci. Bon, clairement, le magasin là ne vaut plus le coup. Oh, jamais de la vie. À moins. Alors, s'il y a un brimstone dans le Devil Deal, je réfléchis. Je réfléchis, hein. Très clairement, s'il y a un brimstone dans le Devil Deal. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas je réfléchis. Mais c'est j'y vais.
Mais s'il n'y a pas de brimstone dans le Devil Deal, c'est non. Devil Cause Technique, je suis vraiment pas fan de cet objet. Je sais pas bien m'en servir. C'est très très déstabilisant. Putain, je déteste ces salles. Vraiment, du plus profond de mon âme. Pas de rocher marqué, ok. Allez. Non, c'est pas le moment de se prendre un... C'est pas le moment de se prendre une balle perdue de monstro, hein. Monstro, t'es pas censé rebondir, t'es censé cracher à l'infini. T'es une version champion, Monstro. T'es pas censé agir comme un monstro normal, s'il te plaît. Merci. Reste sur place, casse pas les couilles. Voilà. Non, mais non, mais non. Arrête. Mais, qu'est-ce qui t'arrive? T'es un champion, Monstro. T'es mon champion. C'est mon champion. Oh, la bulle qui a été tellement lente. Fais-me la prendre. Bah, je suis bien content que vous aimez bien Luc de Vico, bravo à vous. Bravo à vous. Okay. La death list, la death list, la death list. On l'a vu, la death list, ça peut être très très bien quand il y a un seul ennemi. Du coup, on va aller reroll du de Vico, hein. M'en voulez pas, hein. À moins que, et là, si jamais, je suis un génie, d'accord? Si jamais, je suis un génie. Si jamais quoi? Vous allez voir. Mais si jamais. Ah. Pas exactement ce que j'attendais. Cela dit, un objet de Juppy, ça ne se refuse pas. Surtout le Dead Cat qui nous permet de revivre moult fois en cas de pépin. Du coup, très clairement, ça se prend. Et non. Bon, malheureusement, pas le Brimstone. Et vous savez, il y avait quand même un objet de Devil Deal. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée dans mon raisonnement. Nique ta mère. Excusez-moi mon cru langage. Bon, et pour le coup, le HPUB, du coup, il fait plaisir, au final. Si elle schlousse. Désolé, hein, je ne lis que très très peu le chat, étant donné que je dois rester concentré pour être à mon meilleur niveau, sinon je fais de la merde. On va essayer de l'avoir, la Deathlist, ici, quand même. Sait-on jamais. Sauf si le jeu se fout de ma gueule, mais... okay. Par contre, ouais, on manque clairement de DPS, s'il vous plaît. Et tout de suite un stats up. Pas le meilleur, malheureusement, mais un lock-up quand même. Sait-on jamais. J'ai pas de clé, mais j'ai quand même pas envie de faire ça pour avoir une clé. Hein. Oh non. Fils de pute. Ah, j'essaie d'avoir une clé, hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, bien ça. En vrai, j'ai pas assez d'argent pour aller au shop, donc. On peut avoir la Deathlist encore ici. On a une clé pour la Deathlist, c'est très très bien. Je prendrai l'autre au retour, vous inquiétez pas. Une famille pour la défense. Je m'attendais pas à pouvoir prendre les leux. C'est tellement rare. C'est tellement rare de pouvoir prendre les leux. Si j'avais su, je les aurais peut-être reroll du coup. Mais... pas savoir à l'avance ce genre de truc. Très bien, donc c'est cool d'avoir un reroll pour une famille. Alors bien sûr, je vais pas jouer la Deathlist à tout prix. Hein. Parce que jouer la Deathlist à tout prix, c'est une grosse perte de temps. Je la joue que quand elle est vraiment très jouable. Donc voilà, clairement, nique sa race. Parce que la Deathlist, c'est pas plus la salle est difficile, plus t'as de chance d'avoir des récompenses ou d'avoir la meilleure récompense du monde, c'est juste, voilà. Si tu l'as fait, tu as une récompense. Voilà. Voilà. Oh, je déteste ces salles quand t'as pas de DPS. Horrible. Ah oui, quand t'as pas de DPS et que t'as pas de vitesse non plus. Oh, je vais quand même pas perdre. S'il vous plaît. Je veux pas perdre tous mes kyorgues là-dessus. Je veux pas perdre tous mes kyorgues là-dessus. Polycéphalus. Ok, super. Il peut pas faire spawn de monstre lui, non? Il peut pas faire spawn de monstre. S'il peut pas faire spawn de monstre, c'est tout bénef. On aura la Deathlist. Après, la Deathlist, c'est pas garanti d'avoir des trucs tout le temps. Hein. Des fois, c'est éclaté. Hein. Ça me le prend. Ça, c'est vraiment pas de chance. Va-t'en loin, va loin, va loin. Ou ne fais rien, c'est bien.
Ok, Magited Ball. En vrai, Magited Ball, c'est pas ce qu'il y a de pire au monde. Je vais aller reroll la Holy Water. J'ai une batterie ici. Alors oui, hein, je perds du temps, mais c'est pour avoir un bon stuff. Hein, parce que là, actuellement, j'ai 0 damage up. Il faut absolument que j'ai du dégât. Sans dégâts, je peux rien faire pour le moment. Très 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 bien. Très 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 bien. Compound Fracture. On a des larmes qui se split. C'est très 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 bien. Est-ce que je reroll Speedball? En vrai, non, parce que le... la carte peut être vachement intéressante, sait-on jamais. Et en plus de ça, du shot speed up, c'est pas dégueulasse. Ermite, c'est très bien, très très bien. J'ai une téléportation pour le boss rush. Donc c'est très très cool. Une téléportation pour le boss rush ou en cas de pépin. Alors par contre, ouais, ça va rendre la Lestis un petit peu dur à... un petit peu dur à caser. Quoique. Le magicien, peu importe. Très très bien SMB, un très bon stats up, enfin très bon, assez honorable. Ouais, bon les couilles. Ok ok, bah let's go, hein. On y va, je vais pas perdre plus de temps, vu que j'ai le, vu que j'ai ma ping. Hein. Oh la Deathlist qui décide d'être super sympa, tout de ouf. Hein. Oh, voilà, voilà, vous voyez pourquoi c'est bien. Plus un d'attaque déjà, plus un d'attaque avec la Deathlist. Putain mais la Deathlist qui est gratos, elle me montre l'ennemi que j'ai envie de tuer, mais c'est... Elle lit dans mes pensées, en fait. Oh non. Tant pis. Par là. Par là, je pense. Ah, la Destis qui lit dans mes pensées, quoi. Incroyable. En vrai, si le HP up... Ah. Ouais, pas dégueulasse non plus, hein. On peut éventuellement reroll. On va pouvoir le reroll. Directement le reroll, d'ailleurs. La Deathlist, hein, je... autant dans une partie casu, ça me fait chier parce que ça fait avoir du temps de ouf. Mais quand même, je me suis rendu compte qu'avec beaucoup de chance, enfin avec juste, non pas, en vrai j'ai quasiment jamais eu autre chose que au moins un damage ou un tears up dans une partie dès que je prends la Deathlist. Hein. Parce qu'il y a tellement de salles où il y a un ou deux ennemis et c'est facile de faire la Deathlist que du coup, tu gagnes forcément. Tu gagnes forcément parfois des stats quoi. Bon là par contre on va pas l'avoir, hein, je vais pas mentir. Par contre, ce qui est bien, c'est que lui, il va nous donner grave de la force grâce à Lusty Blood. Lusty Blood, hein, j'ai rien dit hein, quand on l'a pris, mais très très bon objet, ça. Hein. Très très bon objet, quand on bute des ennemis dans une salle, on gagne en damage. Donc très très utile contre les boss qui spawnent des ennemis, et de manière générale, dans les salles, il y a plein d'ennemis. Plus tu tues d'ennemis, plus tu les tues vite, donc c'est très cool. Très très bien, là, on est plutôt bien. Ça devient vraiment cool, Squeezie qui nous régale. Ah, par contre, j'ai oublié de prendre ma... oublié de prendre ma batterie, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on en a pas besoin, voilà. Oh la Book of the Dead, je vais le prendre, je vais complètement le prendre bien sûr. Et let's go. Alors j'aurais pu aller au shop mais... Franchement, j'ai déjà le compas, c'est déjà exceptionnel le compas. Non, c'est pas la... j'ai rien gagné. Je pense que ça va être par là. Oh, bah tu casses les couilles, ce frérot. Mais ta race. Je pense que c'est par là, là ça va descendre, ouais c'est ça. Oula, il y a du monde là. Allez. En fait que je suis la carte d'Hermit qui pourra me permettre d'aller au boss rush. Qui pourra me permettre de faire le boss rush et ensuite d'avoir le magasin, ce qui est très très cool. Le Steel Blue qui est très très utile dans ce genre de salle également. Très 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 bien. Ok, donc logiquement si on va se par là on finira par avoir à la fois la salle d'objets et à la fois la... le boss rush. À la fois le boss, pardon. Y a un rocher marqué, non, pas de rocher marqué, on s'en fout. On a gagné en vitesse, très très bien ça. Très très bien, et le Lucky Rock, oh, très bien ça aussi. Un petit peu plus de damage et on peut éventuellement ouvrir. Qu'est-ce que... Bah super les gars. N'hésitez pas à me saboter, oui, pas de soucis. Je vous dirai rien. On fait trop peur. On peut ouvrir les rochers, ouvrir les portes de temps en temps grâce à notre luck. Sur... sur vous voyez les os qui sont jaunes là. Par contre, arrête tes conneries. Arrête tes conneries, vraiment. Merci.
Ah, j'ai pas le temps, attendez. Oula. Oh, vous croyez que j'ai le temps de jouer, là? Vous croyez que c'est la faute? Quoi encore? Allez. Le mec, il a cru que j'ai tout mon temps. Putain, c'est bien, parce que du coup, dès que je bute des rochers, j'ai du pognon. Dès que je bute des rochers, il y a le pognon qui sort, bah oui. Forcément. Le Kirok plus le l'acide sulfurique, c'est incroyable. Alors ça, dans une run qui est pas en speed, on aurait farmé 800 ans, on aurait fait tous les magasins de l'univers, on aurait joué à toutes les machines à sous du monde, certes. Mais je vous rappelle que la joue à la vite. Et encore une fois, elle m'a fait encore le même coup. Ça, vraiment, mal branlé, hein. Merci beaucoup, Legus Dare. Alors, je tiens, mais deuxième fois qu'on me spawn sur la gueule, ça commence à vraiment me faire chier. En fait, il faut se mettre au milieu, hein. Mettre au milieu quand ça arrive, encore de la speed, très très bien, et on devient plus petit, très cool. Little Brimstone, c'est pas contre toi, mais là actuellement tu ne serviras vraiment à rien. Et Seven Seals, j'aime vraiment pas. Je vais quand même prendre Little Brimstone pour pas avoir trop de cœur rouge, histoire de pouvoir en Polaroid à l'éventuel prochain. Let's go. J'ai regardé, je reprends tout. Merci le Gazdar. Je suis vraiment désolé hein, si j'ai raté des subs ou quoi que ce soit, ça peut m'arriver, surtout là où je suis très concentré. Oh non, pas la map, oh on a pas la map. Oh, quelle horreur. Oh, c'est horrible. Pas la map au moment où je vais utiliser. Oh là là. Pas la map au pire moment. Vraiment, pire timing pour pas avoir la map. Nice. On a gagné en shot speed. Pourquoi pas. Luck up aussi, c'est bien pour l'acide sulfurique. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Nice. Deuxième objet de champignon. Ah bah ok, bah... Ah c'est bien, on saura au moins, quand on aura le shop, on saura dans quelle direction on est. Donc il a dû la chier. Je prends juste ça. Prendre ça aussi, ça va dire. Et tuer lui pour avoir des chances de dueler en plus. Et on y va. Let's go. On a plus le temps. En vrai, je pourrais... Merde. Alors, le piège, c'est que je vais passer mon temps à prendre les sacs et tout. J'ai perdu tellement de temps. Ok, faut que je figure où on est, là. Ah, je peux pas éclater le... C'est-à-dire qu'il va y avoir un champion derrière ça, non? Ouais, c'est ça. Je pouvais pas l'éclater, donc si on peut pas exploser une porte, ça veut souvent dire qu'il y a un champion derrière. Je vais ici, comme ça j'aurai pas l'os. On est tellement loin. Quel enfer. C'est bon. Ok, je vois à peu près. Je vois à peu près où on est. Ça va être long, mais... Je pense que je réussirai à peu près à faire le chemin sans me tromper. J'espère. Bouge-toi. On n'a pas le stuff de l'année encore, mais bon. Ça dépend ce qu'il y a après, si ça se trouve c'est éclaté sa mère, ouais c'est éclaté sa mère. Ah c'est vraiment éclaté, ok. Très bien, bah du coup on a pas de temps à perdre. Let's go. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a quand même la map. En fait non. Ah si. Oh, il y a un... Ok, on va prendre le temps d'aller dans la bibliothèque pour la transformation en... Transformation en boucan quand même. C'est vraiment une très bonne transformation, encore une fois. Et ça c'est bien. On va voir ce qu'il y a dedans quand même au cas où. Non. Tellement tout esquivé maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Ce serait bien de farmer un petit peu le book. S'il te plaît.
Oh non. S'il te plaît. S'il te plaît. The world, the lovers, two of clubs, ok. Bah super. Trop bien. Désolé, je me concentre pour éviter de faire de la merde parce que j'ai pas non plus énormément de vie. Oh non, c'est pas par là. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, c'est pas par là. Oh merde. Mais c'est où, bordel de merde? Tu te fous de ma gueule? Putain, le pire... Fallait que j'ai le pire itinéraire. Trop bien. Oh là là. Fallait vraiment que le jeu se foute de ma gueule. En vrai... J'en ai marre de ça, ça me distrait trop. Trop bien. Ça me distrait trop le small rock, ça me fait... Ça me fait balai. Oh, j'ai gagné en lock. Nice. Toujours bien pour l'acide. Enfin, je sais plus si l'acide est... Si l'acide est régi par la chance, mais il me semble. Hein. La merde. Pas le temps. J'ai pas le temps, frérot. Putain, on a pas beaucoup de tac, hein. Oh. Ah ouais, je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Oh ça. Trop chiant. Trop chiant tous les squelettes qui spawnent de partout là. Elle est un peu cool. Merci. Au moins ça te prie. Au moins ça te sympa. Pouf. Ça va pas être par là, hein. Si ? Ok. Pas le temps. Et où je le fais ? Ah, il y en a deux, merde. Attends, je vais faire celui-là en premier. Je sais que j'ai la death list. Ah ouais, mais je suis con, comme il est en plusieurs parties, ça marche pas. Ouais, on a le temps, du coup, hein. Faut en profiter, hein. Parce que dans le chat, je pourrais pas faire ça. Deuxième fois qu'on a Baby Brimstone, hein, quand même. Hein. Baby Brimstone qui carry bien quand même, hein, qui fait quand même qui fait quand même partie de la famille et qui fait des bons dégâts. Hein. Bon, bon, c'est ça et on y va. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Tac, let's go. Excusez-moi, je sais pas pourquoi l'acide était resté bloqué. C'est parti, merci beaucoup. Désolé, je peux pas lire là tout de suite. Merci beaucoup Drago Kent pour ton premier sub ici. Bienvenue parmi nous. Faut perdre de temps. Toi t'es tout seul par contre, ça m'intéresse. En fait non. Vous m'intéressez encore moi. Faut te mentir. Let's go. Ah ça c'est le... Allez, faut qu'on en profite, c'était le dernier endroit où on pouvait faire ça. Partir le vêtement, ça va être full débrouille. Et en plus là, j'ai pas d'os pour me protéger. Book of the Dead, j'ai pas trop pu m'en servir là-dessus. Par contre, en vrai, ouais, vas-y, continue ce qu'on était merde là. Merci beaucoup. Ça va aller beaucoup plus vite maintenant, bah ouais.
Tu m'as rendu plus fort, frérot. Encore ? Vas-y, vas-y. Voilà, bravo. C'est bien, juste à la fin en plus. Juste à la fin, c'est très très bien. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Faut que j'attaque de loin, j'ai la buff quoi. Il a eu le temps d'en caser une dernière. Allez, salaud. Qui est doué? Bon. Ah, on a la carte au moins. Oui, d'accord. Tout éclaté. Tout éclaté, sa mère. C'est parti. Alors, j'ai envie d'utiliser le Hermite pour faire le kéké, mais si ça me téléporte plus loin, je rappelle ça, moi. Nice. Non, non, mais non, fallait pas faire de boules. Casse les couilles. Oh, nice. S'il te plaît. On est juste à côté, nice. Ah, je crois. Bon, c'est bien, on aura une batterie à partie à 24-25. C'est pas mal. 24-25, c'est pas trop mal, hein. Ça reste dans une bonne moyenne. Vu comme ça partait pas très bien au départ. Pas trop dégueulasse, c'est bien, là je suis quasiment sûr de rien prendre grâce au Farm Baby. En plus, lui il fait pas d'animation, c'est trop bien. Allez, par contre, ouais. Allez, 24 minutes là, c'est possible là. Allez, gros. Nice. Allez hop, 4-25, 11 wins. On reste dans une bonne moyenne, c'est ok. C'est encore ok. Ouf. Ibi. Voilà, là c'est une partie plus comme j'avais envie d'en voir, vous voyez. Ça n'a pas été forcément beaucoup plus vite que celle de tout à l'heure avec le couteau par exemple, mais au moins celle-là on était plus safe. On s'amusait un peu plus, on était moins dans le stress quand même. Ah, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau, merde. J'ai pas... Ah bah oui, j'ai oublié pendant... Entre les deux parties, j'ai oublié d'aller me ravitailler en eau. Je suis un connard, comme on dit dans le milieu. Aïe, aïe, aïe. Bon. Allez, c'est parti pour une... pour la suivante. Oh, moi, je suis un ostrich, hein. I'm on a killing spree. On va en faire au moins encore une ou deux, hein. Là. Sauf si je perds. Si je perds, on arrête. Si je perds, je me casse et je casse mon PC. Allez, c'est parti pour la suite. Sulfuric acide n'est pas régi par la loc. Ah ok, désolé. Ben, merci pour l'info. Désolé, hein. Forcément, en partie dur de lire le chat, je vous l'ai dit, je me concentre. Allez, let's go. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir cette fois? Encore un Burning Basement. Bon, pour l'instant, ça nous a pas porté malchance hein, d'avoir un Basement Burn, donc pourquoi pas. Je préfère un Basement tout court, hein. Ils sont moins casse-couilles quand même. Mais... Ouais, tu as une clé, ça c'est bien. C'est nice d'avoir la clé dès le départ. Ok, let's go. Ah merde. Sait-on jamais. J'aimerais bien avoir mon objet quand même, histoire d'améliorer déjà mon stuff maintenant, histoire que ça aille plus vite. Oh, c'est bon, j'ai compris. Ah. On aura le boss avant. Mais j'irai quand même chercher mon objet. Sauf si on a Magic Mushroom, il y a encore. Même si on a Magic Mushroom, je pense que j'irai prendre l'objet. Parce que mon Magic Mushroom 20 sur 20, c'est quand même garanti. Oh, zone pour commencer, super. L'angoisse. Ah bah, oula, ok. Je sens bien l'accident. Je parle pas. Je
Je déteste quand il fait rien. Oh, je déteste, ça me stresse tellement. Après, s'il faisait rien tout court, ça serait bien. Hein. Mais quand il fait rien du tout, là... avec le 1 de vitesse de Isaac, c'est stressant de ouf. Si j'avais plus de vitesse, ce serait easy, hein, mais avec le 1 de vitesse de Isaac, c'est un stress. Avec Magdalen, je pense, hein. Allez, hop. On s'est pas fait toucher. Oh, très très bien, ça, pour commencer. Ça, tu restes là. Tu restes là, je te prends sur le retour au cas où. Pas envie de faire le con. Et ta gueule, hein, je veux pas. Il y en a un juste là, qui est au moins lui sympa. Et on va aller chercher l'objet quand même. Saint-Tol, c'est très très bien quand même. Hein. Très 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 bien. Ah, bonjour. C'est l'objet hein, que je cherche. Magasin là tout de suite, ça m'intéresse pas encore. Oh, après une petite clé, pourquoi pas, ouais. D'accord. Oh! Alors, ça, si on a encore bébé Brimstone, par contre, ça va être incroyable. Oh! L'un de mes meilleurs amis. L'un de mes meilleurs amis. Alors, je vais juste regarder un truc au cas où. Ouais, alors, c'est bien ce que je pensais. Ce qu'on s'est dit, je me suis dit, si jamais il y a une bibliothèque, imaginez, ça nous est déjà arrivé. Ça nous est déjà arrivé d'avoir une bibliothèque au premier étage. Je vous avoue que j'aurais pas dit non à cette histoire. Donc, voilà. Bon, c'est pas mal, j'oublie pas de prendre, bien sûr. Mon petit cœur gris, et bon, 2,49 pour le premier attache, c'est pas très rapide, mais on a eu Damage Up et l'un des meilleurs orbitaux du jeu, très clairement. Oh, mais les gars, faut que je vole, faut que je vole. Faut qu'on trouve une carte de vol, ce serait incroyable. Ce serait un sacré vol. Faut que je fasse n'importe quoi avec non plus. Ah oui, merde, ça dépend pas. Il change Geckos. Très bien. Oh, on a The Rock. Alors The Rock, ça me fait un peu chier parce que malheureusement c'est des speed down aussi, mais très clairement c'est un speed down que je suis prêt à prendre là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai réfléchi une seconde, hein. Une demi seconde même. Polyphemus, ça fait très longtemps que je l'ai pas eu. J'espère que y a pas de choses qui vont mal se passer. Oh là là, quel plaisir. Bien mieux, bien mieux, bien mieux. J'ai pas eu de batterie, mais j'ai un peu la flemme. Très honnêtement, j'ai bien la flemme. C'est pas mal, Polyphemus, là. Hein. Très très longtemps que j'avais pas vu celui-là. Attention. Merci beaucoup, Kaishinero, pour ton abonnement ici. Premier, hey, y a beaucoup de premiers abonnements en ce moment, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, des gros bisous à vous. Ouais, je vais le faire pour le pognon. J'ai de quoi assurer. Ah, c'est bien, on peut éventuellement reroll ça tout à l'heure, ça nous a bien aidé hein, de reroll ce truc. Oh, la Polyphème qui va régaler hein, ici. Surtout les ennemis, parce que ici il y a énormément d'ennemis qui spawnent en général, donc ça va faire du bien. Je l'ai vu. Ah, il était plutôt discret celui-là. Allez. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Le trinket fait quoi? C'est un trinket qui fait que tous nos familiers auront des tirs homing. Autant vous dire que si on a Little Brimstone, c'est un Brimstone homing et ça fait plaisir. En vrai, là même Robo Baby, il ferait plaisir. Hein. Robo Baby, il régalerait, hein, actuellement. On va te prendre, ok, on empêche d'un moment. Ok, super. Malheureusement, t'as pas pu avoir Mulligan tout à l'heure, mais... Attention, ouais, il va me spawn le squelette, je l'ai vu arriver celui-là. Mais putain, mais il spawn pas sur moi! Vraiment le pire con, lui! Hein. Putain, mon D6, je l'ai pas laissé charger. De toute façon, j'aurai pas le duel deal. Voilà, je le savais. Je paye mon objet. Paye mon objet. Ça vaut quand même le coup d'aller checker, étant donné qu'on a fait une bonne partie des salles déjà. Je préfère perdre une minute et m'assurer une meilleure run. Après j'ai dit une minute, pas trois, hein. Si tu pouvais être compréhensif le jeu, ce serait sympa. Ok, on va voir la salle qui est là, au cas où. Non, très clairement, pas le temps de me faire chier à ça. Bon, du coup, la salle d'objets, on sait où aller, hein. À ce rythme-là, je pourrais même aller faire le magasin. Hein. Oh là, mais quel enfer. Moi, je suis pas assez rapide. Je vais même pas pouvoir aller au bouton, là.
On a blinde deux clés, hein. Ça me donne vraiment envie d'aller au magasin. Magasin. J'ai la momski ? Non, j'ai pas la momski, mais on dirait, hein. Ah mais oui. Attendez. Ah bah oui. Oui. Là, on a des tirs perçants à 4 de tir rate à 4,60. C'est très très bien. Très bien. Du coup, j'ai dit non au... Qu'est-ce que je fous de ma vie ? Pourquoi j'ai pas été au magasin ? Je me suis dit, oh non, c'est bon, pas besoin du magasin. Mais si ! Non, vous inquiétez pas, c'est worse, hein. Je me souviens que Polyphemus plus Semic, c'est très bien. Polyphemus plus Semic, c'est très très bien. Bon bah, j'ai bien fait. On a bien fait de revenir sur les pas. Très bien. Très bien. Allez, maintenant, let's go. Là, logiquement, avec ça, plus rien peut mal se passer. Il manque plus qu'un Krampus avec Lump of Cool, et là, on est plaisir. Ça va être le plaisir. Bon, il manque aussi du mapping, malheureusement. Mais non, je suis con, ils sont pas perçants, mais tiens. Mais, enfin, ils sont perçants si jamais je tue un ennemi, mais... Alors là, on a des très bons tirs. Merci, bonjour à toi. C'est bien. La musique de l'angoisse, au secours. Ah, si on avait du mapping, hein, suffisamment. Oh. Très bien, mes tirs maintenant vont repousser les ennemis. Ah, en vrai, avec Sonic, c'est peut-être un peu chiant, des fois. Mais, Oh, non. Merde. 5-14, là, avec 4 de tirette, c'est pas dégueulasse. Non, c'est bien. Et en plus, c'est un des meilleurs damage up qu'on pouvait avoir. Hein. C'est 1,50 de damage up, plus contrairement à la plupart qui font 1, voire moins des fois. Celui-là est vraiment cool. Je vais aller tester. Des fois, ça vaut le coup de tester ici quand même, au cas où. Bon, là, en l'occurrence, ça valait pas le coup du tout. Mais ça dépend. On est en train de full clear l'étage par contre. Hein. Ça devient un peu indécent. Hein. J'essaie d'aller vite, monsieur, moi. Hein. Je fais des efforts, frère. Ce serait bien que mes efforts soient pris en compte. Là, il manque les tirs perçants, ce serait incroyable. Voilà, bien sûr. Merde. Ah, j'ai peut-être pas trop joué le couteau quand même. Malheureusement, le couteau c'est fort, mais j'ai malheureusement trop perdu en niveau ces derniers mois. Hein. J'ai trop perdu en niveau. Mais pourquoi je vais là? Pas de putain de raison. Pas l'argent. Voilà, le couteau, hein. Le couteau qu'elle a. Yakalero. Timpi, pourquoi pas. Et, ouais, on va prendre le Magic Egg Ball aussi, hein. C'est toujours cool. Ça, c'est moins cool. Judgment. Let's go. Bon, malheureusement, on va pas très vite, hein. Faut y faire une connerie. Tac. C'est bon, jamais. Pas trop cette salle. Bien sûr, je savais que c'était le bon frame pour avoir Gimpy. Ok, petit roche marqué ici. Énormément de... Tiens, pas de rocher marqué, mais il y a ça. Est-ce que... Non, on va pas. Let's go. Encore ! Sauvez-moi ! C'est long, hein.
Ça c'est bien en plus, Gimpy plus... Gimpy plus... Petit Dark Bomb, ça fait plaisir quand même. Quoi? Je me le suis pris? Quel moment? Vol. Ça m'aurait été utile pour un mulligan tout à l'heure, malheureusement. On l'aura pas eu, mais... Ça serait utile pour plus tard, peut-être. Fais du bruit, c'est mardi. Samic, pas ouf. Si, si, Samic fait complètement le taf. Je serais pas plus fort que ça avec Polyphemus, hein. En vrai, avec Polyphemus, je serais pas du tout plus fort que ça. Moi, j'en ai rien à foutre. On va clairement perdre du temps si j'essaie de le faire legit. Donc, autant prendre quelques dégâts. Ça va quand même beaucoup plus vite, on va pas se mentir. Hein. Oh, bah là. Ah, bah non, mais non. Attention, on va pas tomber dans le piège. Là, si je prends le couteau... Si je prends le couteau, je suis dans la merde. Je crois, hein. Ouais. Faire attention. C'est quoi ça? Prendre ça. Ouais, c'est bon, je vais skip. Si je prends le couteau, j'aurai un dégât ridicule sur mon couteau. Quoi qu'en vrai. Bon, je sais pas. Mais bon, on est bien. Sokubus, c'est très très bien. On aime beaucoup. On a Sokubus, on a le vol, et quand je perdrai mon cœur rouge, j'aurai de temps en temps un petit bouclier aléatoire qui fera bien plaisir avec mon... avec mon ami le knife. Ok, c'est bon à savoir. Si la salle d'objet est juste à côté, on va pouvoir se faire plaisir. Il y a combien de wins de suite là? 11 actuellement. Merci. Ok. J'aurais dû le reroll. Mais bon, je pense au magasin. Donc je me dis que ça peut valoir le coup quand même d'y aller. Et en vrai, s'il y a un magasin, je pourrais reroll le magasin pour essayer d'avoir un jeu de mapping. Faut pas se mentir que là, le mapping serait divin. 20. Merci, merci, merci à toi. Ok, pourquoi pas. Bon, je sais pas où vous êtes, les gars. Merci à tous. Bon, des batteries, ça commence à bien faire. Ouais, Gimpy va régaler, parce que Gimpy, ce qui est bien, c'est qu'il donne des... Il a beaucoup de chances de dropper des demi-cœurs quand on tue... Enfin, beaucoup de chances, non, mais comme il y a beaucoup d'ennemis dans le jeu, on drop souvent des demi-cœurs sur les ennemis, et du coup, bah, notre Dark Bomb, il se fait plaisir, hein. Dark Bomb, il se fait plaisir, il va les manger. Ouais, ça fait plaisir, hein, quand même, le Sokubus. Très clairement, Sokubus, il est complètement présent. Ouais... Non, on va essayer de voir quelque chose d'intéressant, quand même. Là-dedans. Ok, ok, ok. Voilà, notre ami le compas. Le compas qui est un habitué maintenant. Hein. Le compas qui a décidé d'être un habitué de nos streams. On le remercie d'être aussi souvent là. Oh, nice. Très très bien ça aussi. Très cool. Très très cool le code join. Bon bah du coup, au final, perte de temps. Enfin le code join. Très très bien le baby. Le rotten baby surtout. Ah, attendez. Bon, pas de carte de TP. Ah, je suis full life. J'aurais jamais cru. C'est bien ça, plus vite. Regardez au cas où, hein, mais non, ça vaut clairement pas le coup. C'est bon? Allez, on y va. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, le boss est certainement pas là, on y va. Ah ouais, par contre, je vais jamais perdre mon cœur squelette.
J'aurais pas dû le prendre finalement. Bon, c'est pas le stuff de l'air encore. Hein. Il est où? Qui branle? Sans brimstone, pas trop d'intérêt là. Oh, j'ai bien joué le couteau là pour une fois. Eh, hey, je commence à bien jouer là. Hein. Je commence à faire gaffe. Oh tiens, tiens. Parce que j'ai besoin des clés quand même pour le chest. Alors, il y a même deux clés pour le chest, c'est Rocky. Rocky Balboa, bien sûr. Hop. Nique ta mère. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai. Oh là, mais ceci m'est arrivé. Oh, ça va quand même, ça se passe plutôt bien. Oh! Deuxième code join. Oh, s'il y a le troisième là ici. Le troisième code join is here. He's back in the track. Oh, le. La Destiny, c'est trop tard. Destiny, c'est trop tard. He's back on the track. Enfin, enfin la transformation code join qui fait plaisir. C'est basiquement un triple shot. Un peu chelou, certes, mais c'est un triple shot quand même. Hein. Je vous accorde qu'il est bizarre. Je vous accorde qu'il est bizarre, mais il est bien. Je vous jure. Ok, ok, let's go. Oui, un crossbow. Bah, en vrai. Oh, quoi que si, j'ai quand même deux familiers. Bon, j'en ai qu'un seul, cela dit, qui est affecté par ça. Mais... Vu que Little Steven est déjà au mine de base. Mais bon. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh, je suis content. Depuis le temps que j'avais envie de revoir cette transformation, ça fait plaisir. Hop. Je vous montre comment on joue, hein, je vous montre comment on joue vite fait. Ouais, je m'appelle un peu. Ouais. Ça arrive jamais, code join. Non, en vrai, moi, ça m'est arrivé assez régulièrement. Mais bon, il faut le vouloir, quoi. Il faut vouloir les prendre, les bébés nuls dans les Devil Deer. Hein. Parce que c'est quand même pas les bébés les plus intéressants. À part, comment ça s'appelle? À part le bébé mouche qui, de temps en temps, effectivement, fait plaisir. Mais le reste du temps, bah les couilles. On va les couilles. Putain, le mapping, hein. Le mapping c'est vraiment essentiel dans les speedruns, hein. C'est un truc de fou, hein, à quel point c'est essentiel. Par contre, je vais peut-être aller prendre la clé étant donné que j'ai que deux clés. The Hermit, ouais. Je vais la prendre au cas où. Ok, nice, on a les 4 clés. Allez hop, c'est parti. Je vous remontre comment on joue vite fait. Voilà, comme ça. Bien joué. C'est bon, je me permets de me la péter pour une fois que j'ai une partie safe. Pour une fois que j'ai une partie où je peux me la péter un peu. Genre. Je vais aller, hein. Je pense que si j'avais gardé que Polyphemus, ça se serait pas passé aussi bien. Très clairement, je suis convaincu que le seul mythe Polyphemus était bien. Je suis convaincu. Ça t'ajoute le chapeau d'âne. Ouais, c'est ça, mais sans aucune contrepartie négative, quoi. C'est ça qui est bien. Ça, pourquoi pas. Le reste, c'est éclater sa mère. Ça, je peux prendre, du coup. Je vais prendre. Le boss, ça a pas l'air trop loin, donc je vais pas utiliser The Hermit. Le boss, elle a vraiment à côté, donc... Pourquoi pas. Ah non. Ok. Oh, trop bien.
Non, je me suis perdu sur le map, pardon. Je fais exprès de prendre la guerre. Toi, j'en ai rien à foutre, j'aurai largement assez de vie pour battre Blue Baby. Donc, c'est là. Bon, c'est bien, la carte aurait été bien. Putain, on va peut-être le faire en 20 minutes, quoi. Enfin, en 21, du coup. Pourquoi pas. Allez, en 20 minutes, c'est plié. C'est plié. Ah, nice. Nice, nice, nice. Nice. On a fait combien de runs là? On en a fait deux. Ouais, on en a fait que deux. On va en faire une troisième. Alors, le choix d'en faire une troisième. Et une bonne partie là. Très bonne partie. En même temps, ça commençait tellement bien. Regardez juste les objets. Ça commençait beaucoup trop bien pour mal se terminer. Là, pour le coup, on a quand même eu. Directement d'emblée, un damage up, suivi du couteau, suivi encore du small rock, de Polyphemus, de The Mark. À partir de là, si ça se passait mal, fallait vraiment que je joue comme un manche, hein. Comme un manche à bite. Mais là, non, ah, c'est bien passé, c'est cool. J'ai tellement envie d'aller chercher de l'eau, là. Parce que là, j'ai pas bu depuis un moment. Je vais speedrunner l'eau, d'accord? Je vais speedrunner le fait d'aller chercher de l'eau. Je vais essayer de faire ça vite. Vous êtes prêts, YouTube? Je garderai ça sur la VOD, ça va? Je vais speedrunner l'eau, attention. World record de l'eau. J'ai clairement explosé mon PB de quelques secondes. Ah, clairement explosé mon PB. Hein. Mes colocs ils m'ont regardé en mode. Pourquoi tu cours? Ah, quel plaisir. Ah, n'oubliez pas de vous hydrater en période de grande chaleur. Bon, peut-être que YouTube, on sera en hiver hein, quand la VOD sortira au rythme où sortent les VOD. Mais quoi qu'il en soit, là, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important pour votre santé. Même si vous n'avez pas soif, hein, il faut boire. Ah. Tac, on est là. Je sais pas si vous allez voir. Mais regardez, il y a un bouchon de glace. Parce que moi, je les mets au congèle, du coup. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Bon, allez, on va avoir une dernière run, histoire de tout gâcher. Histoire que je perde à 12 de win streak et que je me dise, oh, quel connard d'avoir fait une dernière run ce soir. Ce serait con quand même, ce serait vraiment con. Ah, bon, allez. Je me repositionne. Je me mets en pole position. Je vais voir juste vite fait si j'ai reçu des messages. La réponse est non. Du coup, on est ready to rumble. C'est parti. Bon, mes cheveux, hein, peu importe, il fait chaud, je vous rappelle. On est le 11 août actuellement. Allez, c'est où la touche? Ah, c'est ça. C'est parti pour peut-être une 13ème victoire, le chiffre 13. Enfin, le nombre. Je vous rappelle que 13 n'est pas un chiffre. Les chiffres, c'est de 0 à 9. C'est parti pour la partie numéro 13. Va-t-elle nous porter malheur? Pitié, non. Pitié, non. Allez, let's go. Alors, on commence directement par un boss. Oh, il y a une pièce de 10, d'accord. Ok, j'ai compris. Je referai plus. Désolé, je t'ai volé ton pognon. J'ai compris. J'ai compris que c'était à toi. Donne-moi une bonne carte directement, une petite carte de TP là. Ouais non, 5 bombes empoisonnées. Attends, ah bah non, du coup il me donne une rune forcément. Oh nice, commence avec le Petrified. Et Persro, bah fils de pute. Bah non. Non mais c'est vrai qu'en même temps, Isaac est un peu un... Voilà, c'en est un peu un quand même. Je veux dire, sa mère essaie de le tuer. À partir de là, c'est pas forcément une très bonne mère quoi. Est-ce que je claque? En vrai, je vais claquer ma bombe ici pour la clé et pour le caca parce que j'ai Petrified Poop. Petrified Poop. Ouais, par contre, ouais, faut que je tue les ennemis quand même. Faut que j'y pense. Merci.
Ah, une clé. Pourquoi pas. C'est vraiment pas fou, hein. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Mais, bah, de l'argent, quoi. De l'argent, je vais pouvoir aller au shop dès mon premier étage, quand même. C'est... Imaginez le compas. Imaginez juste le compas. Je veux dire, on l'a eu déjà plusieurs fois le compas. C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il soit de retour back on the track. This is a remix. Ça a sens ce qui se passe ici. Ok. J'arrive, hein. J'arrive, champion belt. J'arrive. Oh non! Moi oh, j'ai pris un dégât. Oh, je suis maladroit. Oh non, encore un. Oh, oh non, encore mort! J'ose pas trop jouer au con non plus. Oh, oh putain, j'ai vraiment pas fait ça. Oh, je suis vraiment maladroit. Hein. Maladroit de ouf. Ouais, je vais lire le chat un petit peu. Oh merde. Oh putain, j'ai... Oh, je pas fait exprès. Bah, heureusement, j'ai assez pour m'acheter la belt. Oh, vas-y. Alors peut-être. Attends. Oh non. Ouais, je suis encore là, ouais. Ok. Allez, let's go. Allez, let's go. Oh non. On m'a raccourci ma taille. Ma taille, oui. On m'a raccourci ma taille, si seulement. Seulement on m'a raccourci un peu. On m'a raccourci ma salle. Et la Magic Mushroom. Bim. Après, le début est lent. Le début est lent, mais quand même agréable. Hein. Lent, mais agréable, donc ça va. On a quand même d'emblée le 50-50. En plus de ça, on a eu un damage up. Et voilà, on a un petit cœur gris pour le prochain Devil Deal. Histoire de se l'assurer. Et les Divorce Papers. Les Divorce Papers qui font plaisir. Ça va, non. M'en fous. Allez, let's go. Ok, nice. Très, 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 très bien. Bon, il faut pas que je perde mon cœur sur les 10 maintenant. J'aurais dû prendre un cœur rouge avant. J'aurais dû prendre un cœur rouge quelque part. Vais-je regretter ce cœur? Non, c'est bon. Pourquoi il a été pris que à moitié? What? C'était un demi? C'était un cœur rouge rempli, hein. Oh, merci. Ah. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Ah, c'est bon, j'ai une bombe. Je vais retourner là-bas du coup pour voir ce qu'il y a dans la salle de sacrifice. Enfin, ça va obscurer son. Quoi? Je l'ai fait pour l'argent, bien sûr. Et ah, le boss est pas là. Ok. Je pensais qu'il serait là. Du coup. Ah oui, il me manquait un demi-cœur, c'est peut-être pour ça, effectivement. Bien joué. Bien joué. Bon, c'est long, hein. Le début est long, mais on a déjà vu des débuts qui étaient très longs, et sur la fin, on est tellement fort qu'on fait tout en deux secondes. C'est un peu les surprises de ces runs en Isaac Speed Streak. Des fois, on a des débuts ultra rapides, et vous l'avez vu, on a failli crever la dernière fois. Bah, la prochaine fois, traverse carrément le jeu et viens directement sur mon visage dans la vraie vie. Vraiment. Le gars se croit tout permis, quoi. On est où? On est où, là? We do. We do, we do, we do, we do, we do, we do. Ok, let's go. Oh, yeah, yeah, yes. Ok, le key coin, c'est pas ouf. Ça s'est éclaté, sa mère. Objet de pied. Petit objet de pied. Quand même. Ça se prend pour le lock-up. Le lock-up, ça peut nous aider, hein, dans bien des cas. On oublie aussi, mais le lock-up, ça permet d'avoir plus de chances d'obtenir des loot, hein, et notamment des coffres au chest, des coffres qui peuvent de temps en temps nous sauver la mise. Par contre, faut quand même pas que je perde le nord. Faut quand même que j'essaie de le gagner. Le saviez-vous, j'essaie de le gagner. J'ai pas de bombe.
quasi persuadé qu'il y a la salle secrète à côté là. Faut mourir monsieur, faut penser. Prenez le temps d'y penser. Ah non, elle est pas là. J'ai tenté. Un bouquin, j'en ai pas eu encore. Si je peux le reroll, j'irai le reroll. Si j'ai besoin de bombe à un moment aussi, il faudra que je le prendre. Attention, ça, hein, c'est pas très sympa. J'ai pas forcément les moyens d'aller au shop encore. J'ai qu'une seule clé, j'ai pas de bombe. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée ici. Comme quoi, parfois lire le chat. Parfait. Parfait, parfait. Bien joué, bien joué. Bien joué le chat. Bien joué le chat. C'est vrai que j'ai les soldes aussi. Putain, ouais, vous êtes là. Hein. Vous êtes là. Vous êtes complètement présent. Bien plus réactif que moi. Toi, Flubs, ça tombe bien. J'en ai pas. Oh, vous êtes créatif, hein, c'est bien. Pas plus que moi. Vous prenez le temps d'y penser. Moi, je prends le temps de jouer, vous prenez le temps d'y penser. C'est bien. C'est une bonne team. Oh. Si je veux des bombes, je sais quoi faire. C'est con. Si j'avais su. Nice. Et le magasin qui est là. Oh. Intéressant. Je vais l'utiliser une fois. Je vais l'utiliser une fois et je vais... Je veux... Oh. Oh le pif. Oh le pif. Le petit Hercule. Bah, autant prendre la batterie, hein. J'aurais pas assez pour aller plus loin malheureusement. Très bien. Nice. Zium Press, pas intéressant, malheureusement. Merci frérot. Tu es le fraté. Non, tu es pas le fraté toi. Ah oh, oui c'est vrai qu'il fait ça, j'ai oublié. Je suis habitué à celui de tout à l'heure. Putain, imaginez j'avais vu qu'un point de vie. Bon, jamais je l'aurais approché comme ça avec un seul point de vie, ça va dire. Non. Repart, merci. C'est bon fait. En vrai, je vais prendre. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le ciel. Et bah, j'ai envie de pleurer. Mais bon, c'est pas grave quand même. Let's go. Non, pas let's go. Pas let's go. Pourquoi pas let's go? Let's pas go, c'est le son de Mario. C'est pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'on peut reroll quand même. Le petit objet, quoi. Le petit objet. Et pourquoi pas, hein. De temps en temps, je peux esquiver des tirs ennemis, donc pas dégueu. C'est même pas esquiver, c'est je peux même carrément les renvoyer dans leur gueule. Pas si mal. Et j'ai gagné un seul art aussi. Zabari. En vrai, du coup, je suis un petit peu mitigé avec le cœur squelette, je suis un peu dégoûté d'avoir regardé. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans quand même au cas où, mais ça m'intéresse pas. Je vais regarder si là, c'est la salle d'objet. Malheureusement, on n'a pas le compas, donc on sait pas exactement... On voit la map. En vrai, je vous avoue que je préfère mille fois le compas à la map. Après, avoir les deux en même temps, c'est... Bon, bah c'est divin, mais... Ok. Toi, Diamond, c'est nice, ça. Ok, on est bien. Toi, Diamond, est-ce que je le... Je vais te tuer pour les chances de... Ah non, il donne pas de chance de level lead, lui. Ok, c'est parti. De l'argent, hop, on perd de temps. J'aurais dû garder la batterie ici, mais j'ai vraiment la flamme. Voilà, je savais qu'il y en avait une là.
Pour le Death Sight, c'est vraiment, vraiment bien. Bah... avec un petit peu de Tears Up encore, là, ce serait divinissime. En tout cas, on est pas mal du tout. Ah, je dis ça pour tuer. Les caca noirs, si vous ne le savez pas encore, si vous avez jamais remarqué, ça fait des dégâts aux ennemis. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bififif, bien sûr. Tous les jours. Bififif, je prends ça aussi parce que j'ai besoin de vie, là, actuellement. Oh, la batterie! La batterie! Oh, ce serait insane qu'on arrive à trouver le compas. Ouais, ça m'intéresse de fou, ça. Ok, alors oui, ça m'intéresse plus que Morb Shendo, ouais. Je sais que c'est surprenant, mais ça m'intéresse parce que... on sait où sont les salles super secrètes, et on voit la map. Prenez le temps d'y penser, quoi. Prenez le temps d'y penser. Voilà. Pour perdre mon cœur, et oh. Oh, quoi que, allez. Elle est bififif. C'est une bibif bififif. Donc ça m'intéresse. Par contre, on est lent comme un cul. Comme un bon gros boulard. Bififif. Je vous avoue, je vais quand même aller vérifier un truc, hein. C'est pas fini. Non, c'est pas. Peut-être. Peut-être rien du tout. J'ai essayé. Bon, maintenant, c'est bien de... hein, c'est bien de RT et tout, mais il va faire follow. Et oh, frérot. On est là. La bonne nouvelle, c'est que notre D6 peut avoir double charge. C'est assez cool aussi, ça. Ça va nous être utile, là. Par contre, je viens de friendzoner une super secret. Peut-être parce qu'elle était pourrie, regardez. Je vous l'ai dit, non? Ok, bon, c'est pas rapide, mais... mais non! Voilà. Ah ouais, non, mais Death Sight, voilà. Oui, je vois rien. Allô? Je sais pas où je suis. Le meilleur ami de l'homme. Après le chien, même. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, sauf que... en fait, si. En vrai, je pourrais... Giga... ben, c'est vraiment pas safe d'aller prendre Godhead. Alors en fait, parce qu'il était déjà... il était déjà garanti. Je vous avoue que je suis pas forcément fier de mon move. Godhead aurait été... j'aurais peut-être dû prendre Godhead à la place de ce con, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on a un bon stuff, là. Non, là, c'est bon stuff, donc c'est cool. Nice. Je sais où est le boss, hein, là, techniquement. Je vais là parce que je pensais vraiment qu'il y aurait un magasin ou une salle d'objets. J'avoue que le magasin, ça aurait été goldé aussi. Si on pouvait l'avoir sur le chemin, ce serait trop bien. Oh, Toxic Shock très très bien aussi. Des dégâts d'emblée de jeu, des dégâts de poison à tout le monde dans la salle dès qu'on entre. Sachant que j'ai 7 d'attaque, c'est pas dégueu. Ça a basiquement tué la plupart de tous les ennemis faibles. Oh, nice. Est-ce que c'est... oh, dommage. Bon, après, en soi, pourquoi pas, hein, tant pis. Je prends le Lucky et je m'en vais. Qu'est-ce que je pensais? Ok, let's go. Ok, let's go. Allez, hop. Oh, les Sister Vis, ok. Les Sister Vis. Rempli de vis. Comme chez Brico Marché. Brico Marché. Est-ce que ce nom de magasin existe? Brico Marché. J'invente des trucs. Oh là là, Miss Dolly! Miss Dolly qui ralasse. Très 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 bien. Ça existe. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Ouais, le Godhead, hein. J'aurais pu le prendre. Mais j'avais peur. J'avais trop peur. En fait, si je prenais le Godhead, j'avais que mon cœur. Ah, bah non, mais en tout, je m'en fous. En fait, si je prenais Godhead, j'avais que mon cœur squelette en...
Ah, mais je suis con. J'aurais eu un cœur, j'aurais eu mes cœurs gris derrière avec, avec Michel Drucker là. Putain, mais oui, j'ai manqué de discernement, très honnêtement. Le stress, la fatigue et beaucoup de choses, hein, et l'incompétence aussi. Hein. Soyons très honnêtes. Elles disent d'accord, mais j'ai pas retrouvé. Je call qu'on va jamais se servir de perpro, d'accord? C'est mon pantomon? Nylon, d'accord. Si on a le compas, là, on est des dieux. On est des dieux sur Terre. C'est pas bon. Très bien, effectivement, c'est bon à savoir. Faire batterie avec le lessive, ça ne sert à rien. Par contre, ça commence à coûter cher. PhD. Pourquoi pas, 48 hours energy, c'est encore mieux. Encore mieux, eh bien, allons-y. Prendre ça pour les 5 bombes. Trop tard. Belle prise, les belles prises. Je vais garder ça, on reste là-dessus. On reste là-dessus, robot baby, m'en bat les couilles. Moi ouais, j'aime bien. J'aime bien Ball of Tar, c'est plutôt cool. Let's go. Pertro, du coup, je vais les reprendre. Il a l'air Pertro, non? Ouais. C'est parti. Bon, en vrai, on est lent, hein. On est lent du cul. Mais la suite va aller beaucoup mieux. Parce qu'après, là, pour la suite, on sera vraiment bien. Bon, j'espère que le... Ouais. Pour la suite, on a du à peu près mapping. Et on a quand même des bons dégâts. On a quand même un assez bon dégât, étant donné qu'on a un très très bon débit de l'arme. Et qu'on a les Deathsides qui sont très très... quasiment les meilleures armes du jeu. Vu qu'elles sont perçantes, elles ont énormément de... Elles ont une très grosse hitbox, et voilà quoi. Perçant avec une grosse hitbox, c'est pas dégueu. Je t'ai vu. Une charte de TP pour le boss rush, ça aurait fait plaisir, mais bon, ça aurait été trop, je pense. Ça m'aurait fait perdre encore du temps. On va quand même regarder, hein, pas pour l'itas. C'est ton jamais, mais oh, pff, je le crois bien. C'est bon. Allez, let's go. C'est le intermarché du bricolage. Ah oui, oui d'accord, le bricomar. Ah oui, bricomar. Ah, c'est... Ah oui, bah oui. Bon, achat. Bam. Ce sera utile pour éventuellement... cathédrale, etc. Cathédrale et nanani et nanana. Oui, Toxic Shot qui a fait du mal à tout le monde ici. Du coup, je l'ai quasi one-shot. Plutôt cool. Mec, fais-toi plaisir, là. Bon, après, ça sert à rien, là. Mais bon. Ça se prend. Ok. Oh, on a quand même perdu beaucoup de temps sur cette run, mais c'était pour être safe, quoi, pour être bien bien safe. Là au moins, là on sait que cette run on la gagne maintenant. Non, c'est garanti. Elle est gagnée garantie. Maintenant, il n'y a plus qu'à y aller. Et avec un peu de chance, avec un peu de moule, on peut faire ça en 25 minutes. Je pense qu'on peut faire ça en moins de 25 minutes. Je pense vraiment que c'est possible. Oh, les frames d'invincibilité qui sont doublés, c'est du pain béni. Hein. Le halo qui fait bien plaisir aussi. Oh, Julie Shadow. Bon, je vais pas vous mentir que je vais pas me suicider. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Ça me prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Et ce serait très risqué. Je vois pas bien la map, ok. C'est
serait bien quand même en termes de puissance. Hein. En termes de puissance, on serait tellement bien, mais... Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire toucher à toutes les salles. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Je vais juste aller voir si, par hasard, par grand hasard, il serait pas juste là. Non. Je vais quand même me faire toucher dans toutes les salles, je pense que ça sera worse. J'espère par contre que je me trompe pas, que c'est bien par là. En vrai, ok. Mais non! Oh putain, les frames d'invincibilité qui me cassent les couilles. Là, on est mieux quand même. On est tellement mieux. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup pour la suite. Parce que la transformation en jus la chalot, voilà, on voit directement la différence. On la voit bien la différence. On la voit bien la différence. Elle est de plus de 5 d'attaque au moins. Ça m'aura fait perdre une bonne minute hein, quand même, hein, cette histoire. Mais c'est nécessaire. C'était nécessaire, donc let's go. Ah oui, j'ai la chalot, hein. Désolé. Hein. Mais bon, voilà. C'était nécessaire. Ok, let's go par là. Merde, par contre, ouais, quoi ça. Oh, c'est bien, on a largement de quoi de safe, là. Oh, il a pas pris. Tu vas me faire le plaisir d'aller prendre ça, mon coco. J'en ai besoin. Ça aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est bon, maintenant, je suis assez secure. Ok, allez, let's go. Maintenant, on trace nos races. Je trace ma grosse race. Attends. Gera. Oh! Gera pour le. Gera pour le chest, très très bien, on va avoir 8 objets. Très très bien. Ma mouche qui m'a trahi. M'avait trahi comme ça. Là faut, voilà, comme je le disais, hein, c'est les fameuses rondes où il faut gagner du temps à la fin quand on est devenu vraiment très fort. Quand on a tellement sécure qu'on peut se permettre de gagner du temps. Et là du coup j'ai très très bien sécure, du coup maintenant je peux foncer comme un bœuf sur tous les ennemis, je m'en bats les couilles. Alors, Gera, on a 4 objets qu'on peut reroll en plus plein de fois. Non. Parce que je vais prendre ça. Très clairement. C'est gagné. Voilà. Ça valait le coup, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas que ça valait le coup cette histoire. Voilà, vous comprenez? Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire par le fait que voilà. On se build et après on défonce pour 2 secondes. Pas mal hein. Pas mal l'animal. On est tellement safe qu'après on peut faire les kékés. Ah, j'ai pas de bombe. Je peux faire littéralement tout ce que je veux, là j'en ai rien à foutre. C'est garanti. L'invincibilité la plus pure.
Et voilà, ça nous aura vraiment fait gagner un max de temps sur la fin. Combien ? 23 minutes. Et c'est la fin du timer. 23 minutes, très très bon temps pour une run encore une fois. On reste toujours dans les 20-25 minutes, hein, c'est cool. Ah, nice ! Nice, nice, nice. Bon, bah ça s'est bien passé ce soir finalement. Beaucoup de stress en début. Mais là, à chaque fois, on se rattrape bien. Ah. C'est pas dégueulasse. Bah écoute, YouTube. Attendez, on va faire le petit calcul quand même. On va faire le fameux petit calcul. Je vais juste, bien sûr, update ça. Alors, 5, combien ? 5, 13, 52. Point combien ? Point 52. Tac, voilà, je le note pour la prochaine fois, comme ça au moins on est sûr de pas l'oublier. Pour la run numéro 13, en tout cas, voilà. La run numéro 13, finalement, nous aura porté chance, c'est plutôt cool. Merci pour tous les GG. Merci pour tous les GG's. Ok, alors. Plus 14, on va dire. Hop. Et je fais tout ça. Divisé par combien de victoires, du coup ? 13, hein. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Mais ta gueule ! Pardon. Hop. On est sur une moyenne de 24 minutes. 24 minutes et quelques par... 24 minutes environ par run, ce qui reste encore très bien. Parce que bon, malheureusement, hein, on a eu quelques runs un peu lentes qui nous ont fait augmenter un petit peu le ratio. Mais quoi qu'il en soit, l'important dans un speed streak, c'est aussi le win streak. Parce que aller vite, c'est très bien, mais si c'est pour mourir vite, comme on a failli le faire plusieurs fois, eh bien, voilà. Mais en tout cas, on y est. Donc c'est pas 5, 13, 52. Et on va rire, on reset. Ah si, c'est ça, c'est 5, 13, 52, du coup. Bon bah écoutez, YouTube, des gros bisous. Je vais pouvoir update ici le fait qu'on était à 13 wins. C'est vrai que c'était pas... J'avais pas update tout à l'heure. Tac, et voilà. Des gros bisous, YouTube, à bientôt. Et du coup, ça continue. On continuera une prochaine fois. Bisous, Yout. Salut, bon. Bisous, Yout, hein.